choses avec monsieur Baki? Comment vas-tu? Bah ça va, depuis la sortie, on essaie de se réadapter, on avance avec les frères, le soutien, tout se passe bien. Toi de là-bas, comment t'as perçu tout le mouvement, tout ce combat? Comment tu l'as perçu? Bah franchement, j'ai perçu ce combat, on voyait ce combat, je savais pas que les gens y suivaient, je suis parti à Fleury, à Oni, à Bois d'Arcy, tout le monde suit, tout le monde soutient la cause. Tout le monde sait que ce qui se passe, c'est pas normal, c'est inadmissible. Et qu'on cherche la vérité pour mon petit frère, quoi qu'il arrive. Si je dois refaire de la prison pour que mon petit frère, sa vérité sorte, je la referai. Parce que carrément, tu avais le statut de prisonnier politique. Bah, parce que j'ai rien fait. C'était juste pour camoufler la mort de mon petit frère, pour dire que la famille Traoré, c'est une famille de délinquants, tout ça. On a prouvé le contraire, ils m'ont acquitté. Ils m'ont blanchi, maintenant on va avancer. Est-ce que, vraiment finir pour cette affaire, est-ce que tu ne trouves pas révoltant les raisons pour lesquelles ils t'ont mis en prison? Si, c'est révoltant. Ils ont agressé 80. C'est révoltant, et même les 80 gendarmes, il y en a qui sont venus à la barre, qui ont menti. Et aujourd'hui, tu ne peux plus faire confiance à l'institution, gendarmerie, policiers. Ils mentent tous. C'est inadmissible. Après, je sais pas quoi, comment vous dire ça, parce que je peux pas mettre quelqu'un en prison pour ça, quoi. Je sais pas comment ils ont fait, quel pouvoir ils ont eu, mais ils ont réussi. Mais grâce au comité, au soutien, je suis sorti. Et du coup, le comité à ça, tout ce combat qui a été mené, toi, ta soeur, comment tu la vois? Ah, ma soeur, c'est une deuxième mère. C'est une personne que, sans elle, ils nous auront éteints. S'il n'y a pas ça, la famille Traoré, elle est éteinte. Heureusement, elle est là. Heureusement, elle est là pour nous canaliser. Et on la suit, on est derrière elle. Toi, aujourd'hui, comment tu te sens? Ah, moi, quand je vois tout le monde, je peux que me sentir bien. Même si c'est mitigé, mais je peux que me sentir bien. Grâce à vous tous. Du coup, pour le futur. Ah, le futur, bah... Comment tu vois le futur? Franchement, là, tout de suite, de vous répondre comment je vois le futur, je ne peux pas vous dire. Avec tout ce qu'ils ont fait, là, il faut que je prenne un peu de recul. Et après, on va avancer. Merci beaucoup. Voilà, ce que tu as enduré, ce qui va se préparer pour le futur, je pense que ça va être beau. Bah, j'espère. J'espère. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Je vous remercie.